Tiens, bon, Castrup, j'ai un mob air de fou. C'est vrai, j'arrive. J'arrive, mon pote. C'est un temporis. Ouais, nouveau temporis aux Utopia, c'est les Pokémon, comme il y avait eu déjà il y a un an ou deux, je sais plus. Qui était très cool. C'était très très cool. Alors, attends, j'ai moult de succès là. Oh le Pex. Oh le bouffeau royal Joe qui donne 91 000. On dit que ça. Oula. Ça rigole. 3 levels comme ça sans rien faire. On aime bien. Mais dis Bancastrub, j'arrive, j'arrive. Ah oui, les serveurs ont l'air pas forcément à leur prime. En effet. Ah, c'est rentable de déco. Hein. Bah, quand tu sais que tu peux troco derrière, ouais. C'est le seul problème, mais. T'es où? T'es où, mon bro? Il dit Bancastrub, hein, je suis pas fou. Il est parti. Ah! Oh, attends, t'es stuffé, toi! Ah ouais, je pars 3 heures, le mec, je reviens, il est full build. Ah ouais! Ah ouais, get le gars! Je pars 3 heures, je reviens, il est maximisé! Bon bah j'ai rien pour toi du coup maintenant, ça a été quel niveau? Ah, si je peux savoir. Oh, rousé! OMG, t'as rousé! Oh! C'est trop mon gars, toi! T'es un gâté? Hein, t'es un gâté? Dis-moi que t'es un gâté. Merci. Merci, mon gars, étale. J'ai pas de mob pour toi, je te jure, mais quand j'en aurai un, je te le donnerai. Tu me connais. Ah non, pas douter. Ah, il fait quoi, rousé? À part avoir le nom de mon oncle, mais très mal prononcé. Il s'appelle José. Donc, il n'y avait pas beaucoup de points communs. Alors, dommage R et rend invisible. D'accord. Vol de la J occasionne des dommages R. Oh, incroyable. Avec 5 PO. Ah ouais, il est incroyable. Et malicieux. Rend les cibles intaclables en zone et tape pesanteur sur ces mêmes cibles au tour suivant. D'accord. Est-ce qu'avec ça, je passe l'arène, vous pensez? J'ai un doute. Hein. Non, moi, je suis pas sûr. 200% d'expérience pendant 240 minutes. On utilisera ça à bon escient, les amis. On trouvera une petite zone à grinder, là. Moi, généralement, je fais ça à automail. L'âge d'automail, je la grind en boucle comme un abruti. Vu que les mobs, ils sont bien cons, ils courent sur toi. J'aime bien, mais bon. J'ai fait l'arène avec deux mobs, c'est tranquille. Ok. Ok, je reviens faire ma... Je prends ma revanche. Sur Phalanster. À quoi ça sert les badges? Il y a intérêt ou pas? Je me souviens plus. Je crois pas. Hein. Ok. Bon, j'ai 620 HP, ça veut le faire, non? Juste à l'heure, j'ai eu du mal à taper parce qu'en fait, ils sont full mêlée. Enfin, ils sont full distance et moi, je suis full mêlée. Donc en fait, je galère. Attends, ils passent tous leur tour, hein? Ah oui. Intriguant. Je pense que je vais leur courir dessus, puis on verra ce qui se passe. Ça me paraît pas mal. JD qui dit j'ai sous-estimé les 3h30 de RP. Je me rendais pas compte. C'était autant crevant. Ah bah ouais. Sur quel serveur? On est sur Manta, pardon. Excusez-moi, d'ailleurs je vais mettre à jour sur Twitch toutes les informations. On a les drops d'ailleurs. Voilà. Cool. Alors. Je pourrais déjà publier sur la cam. Oui, pardon. C'est vrai que c'est la même scène en fait, j'avais pas pensé à ce détail. Ok, on va invoquer lui. Si le jeu accepte en tout cas. Je buff aussi. Buff-le! Merci. Ok. On y va. Eh bien. Allons-y comme ceci. Ils ont pas d'animation les mobs ou quoi? Pas clair. Hein. Merci Cassor pour le raid. J'espère que tu t'es amusé ce soir, que c'était cool. Merci pour l'orga une nouvelle fois. Tu es le GOAT de Twitter, entre autres choses.
Attends, il me le met là. Là, il me met quoi? Il me met des... Il m'en tape qu'une fois ou deux fois? Il me tape qu'une fois. J'ai pas moyen d'aller invoquer mon mob là-dedans, là. Non, pas trop. Bon, je vais poser Rousé et puis voilà. M'arrange pas trop, mais... Voilà. C'est quoi perfidie déjà? Ah oui, ça rend invisible. 21-25. Ah, ça bombarde, hein. Ok, bon, essaie de focus des mobs au hasard et puis on verra ce qui se passe. Je peux le faire deux fois par tour? Ouais. Je peux. Ah, c'est 4 PA ça? Oui. Ok, bon. Ça me va. Est-ce que je le tamponne dans le mur? Je crois que oui. Allez, va. Va m'en gâter. Ok. Ils ont de la récrite ou pas? Oui, ils ont toujours les 32 récrites. Explique pourquoi je mets pas de dégâts. Enfin, pas de dégâts. Relatif, mais... Mais combien? Ok, est-ce que son rouge à lui fait pas trop de dégâts, donc ça, ça me dérange pas. Je tue le dravage. Et après on pourrait focus sur celui-là, ouais, ça serait pas choquant, non? Ouais. On va faire ça. On va taper sur lui. On va s'éloigner un peu aussi. Ah, quoique j'aurais pu rester pas trop lent pour le Mimistral. Bon, je vais me mettre là, c'est pas mal. Voilà. Ça, faut tuer. Et ça aussi d'ailleurs. Je mets quoi? Je mets 100 si je crit. Et là, je mets 40. C'est pareil. Faire ça deux fois pour voler de la J. Tant qu'à faire. Attends, si je le crit pas, je le tue ou pas? Oh, les lags, putain. Horrible. Si je crit pas, je le tue peut-être, ouais. Ok, parfait. Alors là, c'est bizarre parce que en fait, quand je crit, je fais moins mal que quand je crit pas. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est la petite subtilité. C'est là qu'est cachée la filouterie. Mais c'est bon. Tout bon, tout bon. Et au Gorblack à la place. Gorblack. Utilisateur exemplaire du chat, hein, je tiens à le dire. S'il n'y avait que des Gorblack, la vie serait facile. Hein. Il fait mal, lui, là. C'est relou, en fait. Il nous emmerde. Ok. On dit du mode sub 4 messages dans le chat. Gorblack ! Ah, il parle, quand même. Hein. Il parle, mais il dit des trucs normaux, quoi. Alors... Est-ce que je peux bombarder? Bombarda sur Quakugar. Quakugar. Fait mal en plus Quakugar. Tabasse. Ok. Ça c'est pas mal. Ce n'est pas un golem. Ah non. Est-ce que je peux me warper ou pas? Ou est-ce que c'est un dash? Approche le Mistral de la cible. Là, je peux pas du coup. Je peux pas vu que ça va vouloir dash là, mais que je peux pas. Eh ouais, je suis con. Merde. Ça marche pas ma connerie là. Tant pis. C'est moi qui lis mes mails ou j'ai un agent? C'est pas moi qui lis mes mails. Non, ça m'arrive des fois de les lire, mais c'est pas moi qui les. Je les lis, mais j'y réponds pas. Voilà, la personne qui répond, c'est pas moi. Juste pas que je meurs là. J'ai un agent secret. Un agent secret pas du tout secret, mais ouais. Très très peu secret cet agent.
Il fait trop mal. C'est quoi ce mob de fou, frère? Arrête. Mob de con, là. Il fait trop de dégâts, lui. Ok, on va faire ça comme ça. Et puis ça comme ça. Allez. Est-ce que j'essaie de focus le rousé ou est-ce que je tue le... Non, faut le tuer lui. Trop de dégâts. Je vous jure, il fait juste trop mal. C'est quoi la proba que je récupère un PA quand je tape? Je sais pas. Je sais pas, ça n'arrive jamais. C'est tout ce que je peux vous dire. Rousé, c'est... Oui, c'est le nom du familier, oui. C'est ton nom de famille. Ah, pas de chance. Dommage. C'est vraiment pas de chat, ça. Alors... on va juste tuer lui et puis tant pis pour l'autre, hein, j'imagine. Ça me paraît correct. À quelle période les gens ont commencé à donner des noms de famille et comment ils ont choisi? Moi je pense que c'était très pragmatique. Hein. Je pense que c'est genre si t'es le mec qui ramène de l'eau, tu t'appelles Dupuis, tu vois. À mon avis, c'était pas plus compliqué que ça. Hein. Si t'habites à côté du pont, tu t'appelles Dupont. Et voilà. À mon avis, c'est pas plus compliqué. En France, en tout cas. Après, ailleurs, je sais pas, mais bon. Ce qui se faisait beaucoup ici, c'était d'avoir le nom, genre... Genre, fils de... nom du père, mais... Donc, ça se fait plus trop, ça. Me font chier les mobs là. Ok. C'est deux PA ça? Ah oui. C'est pas trois avant. Proxy. Ok, bon, je vais faire ça sur lui pour devenir fufu. Ça, logiquement, il me touche pas. Et ma licorne, par contre, c'est trop chiant de la déplacer parce que je peux pas taper avec. Je vais me mettre là. Je serai bien dans ce petit coin. Ça date du early Moyen-Âge. C'est encore la règle en Islande. Mais en Islande, ils sont tous cousins. Ils ont des tests pour... Genre quand ils se rencontrent et tout pour être sûr de pas ken entre cousins. Voilà. Donc bon, ça en dit long je pense. Hein. Ils ont un site pour ça. Ouais, ils ont une database pour être sûr de pas ken entre cousins, je trouve ça fou. Tellement ils sont genre 5. C'est extraordinaire. On se rend pas assez compte. C'est 2 PA ça? Non 3. Ah, parce que des fois je proc un PA en plus, c'est vrai. Non, c'est ça le truc. Mais je sais pas sous quelles conditions. Peut-être une chance sur X, mais je sais plus combien. Attends quoi? Il est là? Ah oui. Le con. Oh, je lui mets 15. Ah, parce que je le crit. Ah oui. C'est insoutenable de faire moins de dégâts quand je crit. C'est la pire mécanique. Ils ont tous ça, les mobs. J'espère pas, hein. J'ai pas un perso pour faire que des crits et dès que je crit, je fais moins de dégâts que de base. Insoutenable. Après, c'est parce que je fais trop de petits dégâts de base, c'est pour ça, genre je tape 0 en fait, mais bon. Là n'est pas la question. Ils ont des rest crits. Ouais, je sais, mais du coup c'est chiant. Parce qu'en vrai, dans le jeu de base, personne n'a de rest crits ici. Genre les mobs, je veux dire, ils ont pas tous ça. Alors que là, oui. Yeah.
Bon, logiquement, il meurt. Let's go! Merci, Etal, ça change toute la vie d'avoir le rousé, je te jure, c'est trop bien. J'ai enfin des dégâts. J'ai vaincu Phalanster. Récupérer l'écaille. Hein? Ah oui, la spiritite iridescente. D'accord. Ça fait quoi? 5% de dommage au sort. Oh! Nice. Partir trouver Abrazelon. D'accord, je sais où il est. Du coup, il y a toute une trame super longue en fait, c'est bien. On temporise, des fois t'avais ce truc là où t'es un peu du père, t'es en mode bon bah tu sais plus trop quoi faire, tu commences à essayer de farmer les tempotons, mais tu sais t'as pas trop. Ça manque un peu d'un. Tu vois, ça manque un peu d'un. Ça manque un peu d'enjeu, je trouve. Et là, peut-être que ça peut être pas mal du coup. Il y a des arènes, ouais. Ouais. Merci pour l'abonnement. Qu'est-ce qu'il raconte? Des fois les gens ont de blase aussi, faut pas trop s'attarder dessus. Hein. Y'a des pseudos dans ce jeu mon frère. Oi oi oi. Genre Slop, par exemple. Je dirais pas s'il manque une lettre ou pas, c'est pas mon problème. Alors, Phalanster m'envoie. Je vais aller mener ma petite enquête. Un pandawa qui passe ses journées aux limites ouest de la ville. C'est-à-dire. D'accord, c'est un sabotage. Une dresseuse que je voyais régulièrement courir dans le coin. C'est un modèle collectionneur d'altéré qui traîne dans les places marchandes. D'accord, donc à gauche il y a la sportive, ça doit être ça, je pense. Pourquoi je marche? Je suis overweight? Pas du tout. J'appuie sur quelle touche pour marcher, je sais plus ce que c'est. Oh, c'est bon, je cours. Tout va bien. Dresseuse sportive, donc il a perdu son altéré. J'espère qu'il y a la team croquette. Mon rêve. Je connais les poses. Bah je devrais passer devant, non? Ils sont tous dans le coin, je crois bien. Non? Genre là, il doit être là ou à gauche. Ah bah il est là, voilà. Et l'autre à droite. Merde. Mais je l'ai croisé tout à l'heure, non? Ou je suis fou? Place marchande, il m'a dit. Mais j'ai croisé un PNJ tout à l'heure. Il est où? Il est où le con? Il était là, non? Il est parti. Les places marchandes, il y en a à droite au pire. Il y en a plusieurs, en fait, il y en a partout. Ah, c'est pas lui? Tilly? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, pardon. Libère-moi, merci. Excusez-moi. Ah, oh, mais les lags, c'est dur. Hein. Oh, les lags, ils sont... Wouah, les lags, ils sont painful, hein. Oh, mazette. Mazette, les amis. Alors, place marchande, ça peut être celle d'en bas. Je vais en bas, j'y crois. Unity, il est à côté. Vivement Unity. Non mais là, c'est un problème de serveur, de toute façon. C'est impossible. Hein. Zobal, il s'appelle Podzob. Très chaud. Non mais je l'avais déjà vu, lui. Mais il m'a dit Nosabodas, c'est pas Nosabodas, ça. C'est un... À la rigueur, c'est un crâne, non? Ah, quoique, il a le chapeau des Ossas, je crois. Mais bon. Faut le dire vite quand même. Le jeu reste très mal au petit. Le fait qu'ouvrir l'interface soit stylant à cause du lag, c'est pas cohérent. Ça, c'est vrai que c'est possible.
mais ça dépasse largement mes compétences, donc je ne sais pas. Yo mon brother. Oh. Oh oh. ping. Non mais je veux pas savoir. Vous êtes à 9000 là. Comment faut que je fasse pipi par contre? Aïe aïe aïe! C'est chiant là. Ouais. Il n'y a plus le sort pour laisser l'IA jouer. Ah, je vois de quoi tu parles. Je me demande si c'est pas un sort que tu peux juste débloquer. Je sais plus comment tu l'as sur. Comment tu l'as sur le jeu de base? Je vois de quoi tu parles, mais je sais plus comment tu l'as. Il y a un Pokédex. Ouais. Je vois très bien que tu parles, je sais plus si ça existe, je crois que oui, mais... Des totems dans un strub... Ah, ça me dit un truc, ça. Genre dans les champs, là. Dans les champs d'Astrub. Ouais, je vois très bien. C'est 200 aux atons. Libération des altérés, ok. Ça lag ou il joue pas? Je pense que ça lag. Nice. Mais Tapipou, il a de la range, hein. Il doit avoir 5. En vrai, Tapipou, ça va être un bon call, quand même, je pense. Je pense que c'est quand même moins bien qu'Amphibule, là, mais... Ça a l'air pratique. Ce lag, ouais, c'est insoutenable. Ouais, je pensais jouer un peu ce soir, mais je sais pas si je vais me hyper. Hein. Je vous avoue que là... Ça donne pas très envie, j'étais en mode je vais juste bash des mobs, farm, mais là je suis vraiment pas bouillant. Ok, grappince. Nice. Ah mais ça fait 9h que je suis en live. Ah putain mais oui, j'ai commencé à stream à 15h. Oh le con. Même avant, 14 plus, je sais plus. Ah j'avais oublié ce détail en vrai. Ah ouais, j'avais vraiment oublié, je vous assure. Il m'a demandé de faire quoi, pardon? J'ai pas lu. Interroger les bandits. D'accord. Je vais de ce pas à Brazelon. À Brazelon Sigriff. C'est une vanne ou il y a un truc avec son nom, ce mec? En fait, depuis la bêta, ce PNJ, il existe. C'est le maître de classe Osamodas de base. Et je crois que j'ai jamais compris s'il y avait une vanne. À Brazelon. À Brazelon. À Brazelon. À Brazelon. Non. À... Sigriff. Un Brazlon Sigriff. Y'a un truc avec ça? Aidez-moi à comprendre, pitié, je vous en supplie. Je dois comprendre. T'as pas le truc d'autopilotage?
Je sais pas, je crois qu'il fallait qu'il y ait 100 000 préinscrits, je sais pas s'il y a. Ouvrez-moi! Con. Ouais. Peut-être une rêve qu'on n'a pas. À Braselon? Non, je sais pas. J'ai pas du tout. J'aimerais avoir, néanmoins. Ravisseur d'altérer, je vous accuse! Je vous apprends les bonnes manières, d'ailleurs. Ah, ils l'ont donné du coup l'autopilote? Ok. Il faut une monture niveau 60, ok. Oui, donc... Oui, donc non, quoi. Oui, donc... voilà, quoi. Ah, je tacle pas! J'ai persuadé de tacler, dommage. Il y a des classes plus fortes que... Attends quoi? Ça donne quoi les classes les plus fortes quand même? Eka et Zozo? Ah! A priori, ouais, Eka, Osa, Zobal, ça a l'air bien. Je crois que Yop, sacrifie Eka, c'est fort, mais en haut level. Sadi, Panda, je crois que c'est bien en team. Mais après le reste, je sais plus. Kra c'est fort aussi je crois. Mais en même temps est-ce qu'on a déjà vu le Kra être pas fort? Pas dans mes souvenirs. Steamer très fort. J'aime pas ce qu'ils font Steamer. Enfin dans le jeu de base je sais mais là... Là je n'en sais rien. Vivement que j'ai plein de PA quand même pour mettre 14 attaques par tour, c'est quand même un petit plaisir. Hein. On se le dise. Putain, j'ai des mecs qui ont pas déconnecté depuis tout à l'heure quoi. Les goats. Ça ne me surprend pas. C'est normal. En vrai. Ouais, s'il n'y avait pas eu. C'est le problème de Dofus, c'est qu'en vrai tu stream, enfin tu, en live en tout cas ça passe vite, mais même quand tu joues au jeu de base... Oh, les dégâts que je mets. Juste jouer au jeu de base en fait c'est une dinguerie genre. Le temps passe trop vite. Quand tu joues à Dofus, le temps il est en x10 genre. Moi je sais que tous les rushs qu'on fait à chaque fois, les lives, quand même des fois on fait des gros lives, genre des sessions de 15 heures quand on joue au début de serveur Dofus, à chaque fois je suis en mode franchement ressenti. Ressenti 5 minutes quoi, j'abuse pas. Hein. Dopu, je peux le tuer ou pas? Ouais. Il y a des jeux comme ça, tu peux vraiment bombarder. Surtout Dofus quand même. On est approché par des trafiquants d'altérés à Macnéen. On devait appâter les altérés des environs pour les capturer et les revendre à chacune de leurs visites. Leurs tarifs sont plus que généreux. Le trafiquant est parti avec les dettes, il y a un bon moment. Des cages, c'est pas nous, ça juré craché. Les trafiquants nous ont demandé d'être discrets. Un vol aussi flagrant aurait signé la fin prématurée de notre gagne-pain. On s'est limité à observer et attirer les créatures avec de la nourriture pour camoufler ça en fugue. Ok. Bon bah bisous et on se reverra si vous faites chier. Ça me semble pas malhonnête. Par contre l'XP c'est x1. Bah en vrai, sur Temporis, ça va vite. Hein. Globalement, le fait que Jack t'aies pas besoin de crafter ton stuff, tu gagnes un temps assez colossal qui se répercute dans le temps que tu passes à XP, forcément. Et en plus, t'as beaucoup de bonus. T'as des bonbons, t'as des machins qui te filent des gros pourcentages d'XP en plus. Donc, franchement. Tu t'embêtes à lire les dialogues? Non, c'est les premiers que je lisais, ça m'intéressait un petit peu. Le premier dialogue que je lis du jeu entier, ça m'intéressait. Je sais pas, j'étais en mode, bah, pourquoi je fais ça? Juste comprendre un peu l'enjeu. Vu que c'est la quête. La quête spéciale, on va dire, du serveur là. Oh,
envie de capter un peu de quoi il en retourne. Il me prête son safarieur. Non, il me le prête pas, il me le fait manger le sol, quoi. Pour savoir où aller, c'est ça? Une piste qui va vers le sud. Eh bien, je vais vers le sud. Ah oui, effectivement. Oh, on a altéré. Tu le fais ou pas? Oh! Dur. Dans la gueule de la map. Oula. Technique un peu. Je veux bien le faire, mais technique. Ouais. Et niveau combien? 36. Il veut le tester? Tu veux tester comme des bonhommes? Ça me paraît chaud. Voilà! Arrête! Et voilà, nous sommes officiellement une équipe. Hop là! C'est très simple de recruter des gens dans ce jeu. Hein. C'est très très simple. Hein. Oh le bâtard, il y en a un quatrième qui a pas de join. Putain, stay, qu'est-ce que tu nous fais là? Je l'oublierai jamais. Oh, le statut 160%, il régale. Stay, putain! Stay! Rah, Stay nous a trollé, putain, j'y ai cru, je vous jure. Oh merde, je l'ai déjà. Hop là, ça va quitter le combat en douce. On a pris focus du coup? Ok. Ouais, c'est mieux, il a raison. Level 54, j'ai du mal à trouver des gens si certains sont à ce level. Oui, il doit y en avoir. Alors, c'est une gargouille O et une gargouille R. Ah, fuck. On est tous les trois O et R. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, mais les gargouilles, c'est vrai qu'il y a un truc où quand tu tues un allié, elles te one-shot, non? Elles te one-shot pas, mais elles font méga mal, je crois. Petit chroma. Ah, c'était pas un chroma, je crois, non? Allez, mon pote. Joue. Ah, ils ont les mêmes mobs, ok. J'avais un doute que tu pouvais invoquer les mêmes mobs, puis bon. On avait assez vite vu tout à l'heure que tu pouvais sans problème, donc. Parfait. Bon, je remange un gâteau, c'est pas très nutritif, mais c'est pas grave. De toute façon, j'irai manger après. Je pense pas que je vais y jouer très tard, hein, de toute façon, là, avec les lags et tout. Pas extrêmement motivant. Ils ont nickel chal. Oh là. Tant mieux, ça m'arrange. C'est du poids poids.
Ok. Bon, ça va être un combat de 3 heures pour pas grand chose, mais bon. Je pense même pas qu'on va le dropper en fait. Compte tenu d'à quel point. À quel point on n'a pas de bonus avec le Chal. Pourquoi le Chal donne que de l'XP en fait, on s'en fout. Hein. Ça booste rien du tout. Oh, je sais que tu peux le paramétrer, mais du coup là ça sert à rien. Dans ce cas précis, je veux dire. D'altérer est influé par le Chal, bah je sais pas. Ah, c'est une proba fixe ou c'est un truc selon la prospection et tout? Je sais même pas en vrai. Une très bonne question, je ne sais pas. C'est une chance fixe. Ça explique beaucoup de choses. ...50% de base. Ok, ok. On va invoquer le frérot Rouzeo. Les roues zéro, faut tabasser là. Magnifique. My goat. Je pouvais... Ouais non, je taclais pas. Nevermind. Nevermind. Pour ça, il est possible, il faut que je vraiment choisir son altéré. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est vrai que les combats sont bons quand même. Hein. Heureusement que c'est 4 joueurs max, parce que franchement. C'est un peu imbouffable. Ouais, je vais arrêter après ce combat, je pense. Hein. C'est trop peu agréable de jouer, genre. Un moment il est encore en se battant. Ah mais il sortira jamais là. What the fuck. Je lève ou je stoppe le jeu? Non je pense que je vais cut hein. Bon on a fait 9h30, c'est pas mal quand même. Moi je suis plus en se battant hein, je suis libéré normalement, je suis censé pouvoir juste chill hein. Mais tu vois genre là le jeu il avance même pas frère. Je pense que je vais m'arrêter. Peut-être que je vais jouer un peu en off, histoire de faire 2-3 clics et juste m'amuser un peu pendant que je mange ou quoi, tu vois, mais... Et encore... Putain, j'ai commencé Ted Lasso, au fait. Franchement, c'est pas mal, hein. J'ai commencé Ted Lasso, franchement, c'est pas mal. Honnêtement, Bon, c'est un peu con, mais je sens que ça se développe dans un sens qui me plaît. Vraiment, vraiment sympa. Mais bon, c'est un peu... Ouais, le début est quand même goofy, quoi. Faut accepter ça, mais... J'avais pas d'attente particulière, donc... Je
peux pas dire que ça me dérange. Trop bien la suite. Ouais, mais j'ai un pote qui est en propagande de fou sur Ted Lasso qui arrête pas de m'en parler, donc je me suis dit j'allais lui faire confiance. Globalement, il m'a jamais conseillé un truc naze. Donc je trust complètement et ça a l'air d'être la bonne tech, ouais. Hey, mon petit chat, tu me griffes la jambe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens de te réveiller, tu me griffes direct? Oh putain. Oh, je crois que j'avais jamais fait autant de dégâts. Oh, le 183 crit là? Je sais pas à combien on montait exactement, mais... plutôt propre. Bon, du coup, faut dropper l'altéré pour que ce soit un peu worse. Comme ça, je pourrais le vendre, vu que ça fera un doublon. Je pourrais récupérer mes premiers osatons. Enfin, je crois. Allez, il reste quasiment rien, on est au bout là. On va y arriver. Ah ouais, les combats là, c'est vraiment... waouh. Waouh, waouh, waouh. Faut être patient, hein. Faut être bien bien patient. Ok. Bon, ça va, il s'avance pratique. Ouais, Rousé, c'est vraiment un ami par contre, hein. Autant certes le jeu il lag, autant Rousé, c'est vraiment quelqu'un. J'ose le dire. Allez, mettons fin à cette purge. On peut dropper? C'est quand même cool, franchement. Je pense que c'est mérité. Nice. Got him! Et quoi? Donjon? Ah, bouclier en mousse! Je l'avais pas. C'est vrai que j'ai pas de bouclier. Hop là! Comme ça je peux flex avec mon super shield. Parfait. Il est parti où le clébard? J'ai oublié. Vers le sud encore? Je sais pas. Sûrement. C'est quoi le principe du temporis? C'est Pokémon. Il y avait déjà eu... Je sais pas où il est du coup moi le chien. Merde. Il y avait déjà eu un truc sur... Il y avait un truc sur Osatopia, ça s'appelait, et bah là c'est la suite. Oh, je peux entrer? Putain, à cause du lag, je peux pas rentrer dans le combat! Dégoûté. Ah oui, il est là. Le sud. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. C'est la team Plasma? Je vais le ramener de force. Moi je pense qu'il a pas raison. Ah merde, fallait s'enfuir. Ah.
déçu. Et je retourne voir Abrasdon, c'est ça? Donc j'ai toujours pas compris le blaze. Oui. Si quelqu'un peut m'expliquer, franchement, je le sub. Hein. Je vous jure, je suis prêt à payer pour ça. Hein. Ah, un altéré. Et bon, altéré dans un combat de 8 mobs avec le lag. Oh, ça me sagaze. Marrant. C'est vrai qu'il faut les faire, les avis de recherche. La purge, hein. Avis de recherche, franchement. Pff. Bon, c'est quand même mieux qu'avant, mais... Merde. Ça veut dire couteau A? Non, je pense pas. Non, non, je pense que t'es un menteur. Enfin, mon rapport à Phalanster. Il me fait chier, Phalanster. Ah, vous essayez de me mentir, j'aime pas ça. J'aime pas l'esprit. Vous êtes malhonnête. Ok. Cerberus. Ah, il y a un mec qui s'appelle Carapuce. C'est vrai que c'est logique de mettre des noms de Pokémon dans ce serveur, hein, franchement. Jack de base, c'est pas mal, mais alors là... C'est vrai que ça a particulièrement du sens. Alors, salut Phalanster, re. Le marché noir. Je vais tirer cette affaire au clair, oui. Partir pour Amakna. Je pars pour Amakna. C'est où? Les environs du château d'Amakna. Très bien. Je m'y rends. Quoique, je m'y rends pas en fait. Non, je m'y rends pas. Non, je m'y rends pas, je m'y rends pas. Je m'y rends pas, je vous bonne nuit. Voilà, on va arrêter Sunday avec son ce bâton qui s'arrête jamais. Et puis non, je m'y rends pas. J'ai la flemme, ça lag trop. Voilà. Je sais pas si elle va couper son live bientôt ou pas. Elle a commencé tôt, il y a moyen qu'elle arrête bientôt. Elle dit bonne nuit ou pas là? Elle dit bonne nuit, elle dit bonne nuit. Attendez, pause. Elle dit bonne nuit, le S. Oh, mais y a Nema. Oh, mais Nema, il stream. Bon, ça va arrêter Nema. Oh, mais Nema, il live, les gars. On va aller voir Nema, quand même. On n'est pas des animaux. We are not des animaux. Il joue à LOL, vous aimez bien ça? Il joue bien ou pas? Ouais, peut-être. Il joue Xerath. Oh. Peut-être mater la game, en vrai. Il y a moyen. Bon, en tout cas, c'était très cool ce live. Merci beaucoup d'avoir suivi tout cela. J'espère que vous avez passé un chouette moment. N'oubliez pas, jeudi, du coup, à 20h, on a le Quad 9 avec Chrono Music qui va être très, très, très sympa. Vous ne soupçonnez pas à quel point il a des choses à vous dire. Ça va être très bien. Demain soir, on sera sur la chaîne de Mister MV pour parler d'Aegis. Beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Donc, j'espère que je vous compterai au rendez-vous. Ça me tient à cœur que vous soyez là, donc je compte sur vous pour venir suivre tout ça. On discutera de beaucoup de choses, et si vous avez des questions, ce sera le moment clairement de les poser. Et c'est la métabarre d'un comeback prévu. Ouais, ouais, j'ai vu. On verra. Quelle heure chez MV? Quelle heure chez MV? Je vais te dire ça avec exactitude. Laisse-moi une seconde. Attends, parce qu'il faut pas que le raid se lance, sinon ça va me couper dans ma phrase. Ah! 21h! Voilà. À 21h demain chez MV. Et puis vendredi, on a la soirée de l'horreur avec Yuna aussi. Où elle viendra ici chez moi et on jouera ensemble à des jeux d'horreur. Je sais pas encore exactement lesquels. On en fera 2 ou 3, je pense. Histoire 2, ce sera très cool. Donc voilà, une semaine avec quand même pas mal de choses de prévues. Donc profitez-en bien. Bisous!